Notre grand-père est un immigrant italien qui est fraîchement débarqué de son bateau après la Deuxième Guerre mondiale. Il est tombé dans l'œil de notre grand-mère, qui, elle, était une beauceronne, mais qui vivait à Montréal parce qu'elle travaillait là-bas. Dans ce temps-là, le marché de l'emploi n'était pas comme aujourd'hui. Il fallait que tu te déplaces pour te trouver un job. Donc, c'est ça, ils sont connus à Montréal. Puis c'est lors d'un souper du réveillon du jour de l'an que notre grand-père a fait découvrir à sa belle famille, la famille de ma grand-mère, la pizza. Puis, ben, comme les gens qui mangent la pizza d'habitude, ils ont aimé ça. Ils ont convaincu mes grands-parents d'ouvrir leur propre restaurant. Fait que là, ils sont rapprochés de la famille de ma grand-mère en Beauce, puis ils ont ouvert leur pizzeria à Saint-Georges en Beauce qu'ils ont opéré toute leur vie. Mes trois frères, ma sœur et moi, on a grandi vraiment dans les cuisines de restaurants. On a toujours vu nos grands-parents, nos parents se consacrer à l'entreprise familiale. Donc pour nous, c'était vraiment naturel de vouloir racheter l'entreprise pour assurer la stabilité, mais aussi la croissance de l'entreprise. C'est après ça qu'on s'est vraiment concentré vers la phase d'expansion qui a débuté en septembre 2020. À ce moment-là, on avait un gros objectif, c'est d'ouvrir un restaurant par mois. Après quelques mois, en avril 2021, on a vu qu'on tirait quand même bien notre épingle du jeu. Donc, on a pris la décision avec toute l'équipe d'augmenter la cadence puis d'ouvrir un restaurant chaque 14 jours. Notre objectif ne sera jamais le nombre d'unités, mais vraiment d'avoir un haut volume par unité parce que c'est ça qui indique si les clients sont contents ou pas. On ne force jamais pour avoir un nombre de restaurants X, mais faire en sorte que chacune des pizzerias performe bien. C'est à date, le chiffre d'affaires d'un pizza Salvatore moyen est plus du double du chiffre d'affaires d'une pizzeria de la chaîne qui a le plus de pizzerias au Canada. Fait que ça va bien, puis c'est une des raisons pour laquelle on est capable d'avoir une expansion aussi rapide. On mise aussi sur une grande présence en ligne sur les réseaux sociaux. Quand on a racheté l'entreprise de nos parents, la vision d'entreprise est un peu différente et axée sur une clientèle peut-être un peu plus vieille. Nous, on est toutes âgées entre 26 et 36 ans. Donc, on mise beaucoup sur les jeunes. On est très présents sur les réseaux sociaux. Fait que je pense que la redondance de voir l'entreprise un peu partout sur différentes plateformes aussi, ça nous aide quand le monde a envie de commander une pizza puis pense à Salvatore. Les personnes les plus importantes puis qui vont avoir une plus grande incidence sur la rétention du personnel, c'est vraiment les gestionnaires. C'est la personne clé dans notre organisation. C'est eux qui vont faire en sorte que les équipiers sont motivés, qui font des belles pizzas, qui sont souriants aux clients. Fait que quand tu as vraiment des bons gestionnaires, bien en gros, la pizzeria performe. Puis c'est pour ça qu'on a créé le programme de franchisage. Je pense que c'est pas mal unique à nous, dans le sens où est-ce que les gérants, lorsqu'ils viennent travailler avec nous, s'ils ont des bons résultats pendant un an, ils peuvent devenir propriétaires de leur pizzeria puis on leur finance à 100%. Et le prix qu'ils payent, c'est 3,15 fois les profits de la pizzeria. Notre focus va toujours être sur le chiffre d'affaires par restaurant. Ça ne sera jamais le nombre de restaurants. Mais je crois qu'avec les chiffres d'affaires par restaurant qu'on a le potentiel d'être la plus grosse chaîne de pizza au Canada.